Y a pas à dire. Je m'ennuie. Moi non, et la musique là, pendant la nuit dans cet endroit, est magnifique. Bonjour à tous et re-bienvenue avec Geralt de Rive dans The Witcher. Je sais, mon intro est complètement naze et ratée. Et on est temps d'aller parier entre cette petite naïade qu'on avait vue la première fois qu'on est venu ici. Enfin, qu'on a atterri la première fois. Attention, image assez potentiellement érotique. Bienvenue, guerrier. Salutations. Si je n'étais lesté de malheur, je nagerais volontiers avec vous. Qu'est-ce qui vous peine ? Discutons un peu. Qui êtes-vous ? Une naïade. Une nymphe des eaux. Je sers la dame du lac. D'accord. Vous parliez des malheurs. C'est terrible. J'ai perdu mon collier turquoise en nageant sous les rayons de lune. Un cadeau de la dame du lac. Vers où nagiez-vous ? Habituellement, je me baigne dans le lac, mais cette nuit-là, j'ai préféré la rivière qui borde le village. Or, elle foisonne de noyeurs, avec Zéphyr à leur tête. Qui est Zéphyr ? Il fut autrefois le plus célèbre voleur de Vizima, se déplaçant comme le souffle léger de la brise. Et bel homme avec ça. Et maintenant ? Un jour, alors qu'il s'enfuyait par les égouts, son butin s'avéra trop lourd. Il rejoignit les rangs de noyeurs, mais les vieilles habitudes ont la peau dure. Ils veulent encore ? Bien sûr. Il a dû s'emparer de mon collier, et il est sous la protection des noyeurs. Je chercherai votre collier. Merveilleux. Je n'ai guère d'or pour vous récompenser, mais certaines babioles peuvent être utiles. Alors c'est dit. Je vous attendrai à l'extrémité de la plage, dans un lagon enchanté. Comment trouverai-je Zéphyr ? Si vous tuez assez de noyeurs, il viendra se rendre compte par lui-même. N'oubliez pas que les noyeurs ne sortent que la nuit. Où trouverai-je les noyeurs qui protègent Zéphyr ? La nuit, ils se rassemblent sur la berge. Avec un bateau, vous parviendrez à l'île où vous en trouverez d'autres. Certains, enfin, s'aventurent près du village. Adieu. Parfait, parfait, ma petite. Les vieilles habitudes. Ah bah, on peut comprendre d'où vient le titre. Bon. L'île de l'Hirondelle Noire, je connais pas. Bord du lac. J'étais d'ailleurs. Ça tombe bien, c'est justement là où aller. Il y a plein de gens à qui il faudra que je parle aujourd'hui. Enfin, demain matin pour être exact, parce que là il fait nuit. Trois pêcheurs, toujours rien à dire. J'espère qu'on pourra utiliser son bateau. Parce qu'apparemment, je crois que c'est avec lui qu'on peut, si j'ai bien compris, aller sur l'île de l'Hirondelle Noire. Et vu qu'il n'y a pas de pêche par ici, j'en déduis que c'est là-bas que ça se trouve. Des noyeurs. Ça tombe bien, j'ai envie de gagner de l'expérience. Ouais, mon épée est toujours aussi efficace contre les spectres. Et vu que les noyeurs sont très faibles, on peut les tuer mais sans difficulté. Attends, je rêve, les noyeurs attaquent elfes. Et maintenant il faut aller près de la rivière dans le ville du village. Ah bah on va s'y retrouver très vite. Alors on est au village et c'est par où la rive. Ah voilà. Bah il suffit juste d'aller tout droit et ça devrait être bon. Il y a pas mal de paysannes, si on leur parlait. Aucune pudeur, cet elfe d'Oruviel. Dire que la dame du lac les tient tous sous son charme, alors que je suis tellement plus belle. Faut voir. Je tenez-vous à l'écart des elfes, pour qu'ils n'aient pas l'idée de rester. Et si je veux qu'ils restent ? Les sorceleurs aiment les histoires de monstres, non ? Oui. Je vous dirai ce que je sais sur les vampires.
Mais d'abord, vous avez quelque chose à manger. Je commence à me faire vieille. Attention aux alpires, ces horribles vampires aux dents acérées. Telles des chattes, elles rampent en silence jusqu'à vous, puis vous sautent à la gorge. Elles s'introduisent dans des maisons souvent sous l'apparence d'un chien noir et sucent le sang des dormeurs. Seule la foi passionnée repousse les alpires. Le soleil levant les réduit en cendres. Les alpires fuient aussi les vierges. Et on en trouve bien peu de nos jours. Passionnant. Et en fait, je parle aux paysans parce que il fait jour et il faut attendre la nuit. On voit que vous avez parcouru le monde. Alors ma question, quoique étrange, ne devrait pas vous surprendre. Oui ? Je compte offrir à ma fille une robe sublime pour son mariage. Où pourrais-je trouver un beau châle pour aller avec ? D'accord. Je crois que j'ai compris. À Vizima. À la cité, hein ? Avec ses routes si dangereuses. Ce châle est vraiment indispensable ? Ma mère disait, mets au clou tout ce que tu dois, mais sois toujours sous ton meilleur jour. Sans ce châle, le mariage sera raté. Bonne chance. Oh. Mais je peux t'en apporter. Oh, ce que je vais faire. Un fait marrant, je suis allé chercher un chat chez le tavernier et là, surprise, je me trouve que j'ai des œufs de wyvern sur moi. Et c'est ce qu'il demande. Que puis-je pour vous ? J'ai vu votre annonce. Ah. Il me faut des œufs de wyvern pour mes célèbres omelettes. En voilà trois. Magnifique. Et voici votre argent. J'en avais quatre. En tout cas, j'ai le châle rouge, on peut aller retourner voir la dame. Vous êtes sorceleur, non ? Oui. Vous pourriez peut-être m'aider. Mon cousin de Vizima est mourant à cause du venin d'un monstre. Les médecins n'ont pas de remède. Vous connaissez sans doute un antidote. Quel genre de monstre ? Un garquin. Il ressemblait à un homme avec des ailes de chauve-souris. Vous avez d'autres détails ? Le monstre était épouvantable. Une tête informe et une mâchoire horrible. Ça ressemble bien à un garquin. Mais les garquins n'ont pas de venin. Mais mon cousin est empoisonné ! Peut-être la cadavérine. Oui, ça me revient. Les garquins se nourrissent de charognes. Oh ! Après avoir dévoré un cadavre infecté, le garquin a dû devenir porteur. Dites au médecin de chercher dans cette direction. J'y vais de ce pas. Oh, je savais qu'on pouvait compter sur vous. Merci. Adieu. De rien. Ravi d'aider les gens. Un sorceleur ? Ce n'est pas un métier pour un honnête homme. Tiens, voilà notre championne de vaches. Une vraie reine. Regardez-la bien, monsieur le sorceleur. Vous êtes pas prêt d'en voir une autre de vache comme ça? Elle est impressionnante. Regardez cette peau luisante, cette queue et ses pies. Mmh. Nous comptons la coupler avec un taureau de bourg-taureau. Mmh. Ça va être quelque chose. Le ruminant le plus célèbre au monde. Sans doute. Ah, notre fraise est si belle. À plus tard. Waouh, il vaut vraiment un culte de la vache. Je suis une petite rusée. J'ai vu une rousalka près du lac. Et j'ai été surprise parce qu'elle saignait de la bouche. J'en ai parlé à Berengar, le sorceleur. Et qu'a-t-il dit ? En fait, c'était une brouxe. Vous savez ce que c'est qu'une brouxe ? Ma grand-mère me mettait en garde contre les vampires quand j'étais petite. Racontez-moi. La brouxe est un vampire. Un vampire presque aussi ignoble que Nosferatu. La beauté de la brouxe rend les jeunes hommes fous. Elle se sert d'eux avant de les tuer. Les brouxes donnent des cauchemars. Habituellement, elles sont muettes. Mais leur cri est insoutenable. Heureusement, elles ne supportent pas l'ail. Et puis, on leur coupe la tête pour les rendre inoffensives. Merci.
Si je tombe sur une Brooks, je la frapperai avec de l'ail avant de la décapiter. Ravi de vous avoir été utile. T'aurais pu m'être utile autrement, mais bon, on va pas se précipiter. Salut. Bonjour. Que puis-je faire pour vous ? Qui êtes-vous ? Un maître artisan à votre service. Je répare toutes sortes de choses, je fabrique des objets classiques ou insolites, et puis je suis un forgeron habile et créatif, un charpentier. Vous êtes très polyvalent. Il fallait bien gagner ma croûte, alors je me suis diversifié. Et puis, j'ai un passe-temps très onéreux. Un passe-temps ? Avec les miens, nous mettons au point une machine volante. Nous en avons construite plusieurs, mais aucune n'a marché. Il faut payer les frais médicaux du pilote. Je vois. Moi aussi. Oui ? Ah, il me faudra des pierres pour ça. Je devrais peut-être déménager. D'ailleurs, t'en as pas chez toi, mon petit. Ah bah, y a des choses intéressantes, là. D'accord. Et un poulet. Salut ! Qu'est-ce qui vous amène ? Des odeurs envoûtantes. Je cuisine une choucroute traditionnelle de Téméria. Vous auriez du travail pour moi ? Si je me souviens bien, un sorceleur, c'est une sorte de guerrier magique. Je tue les monstres, noyeurs, kikimores. Je pourrais bien avoir besoin de vous. Vous devez être une excellente cuisinière. Oh, ce n'est rien. Mon mari a tué un cochon et j'ai eu envie d'une choucroute. J'ai d'autres spécialités. J'ai l'estomac dans les talons. Vous êtes bien maigre. J'ai fait des côtelettes à l'hydromel hier. Vous en voulez ? Avec plaisir. Voilà, bon appétit. Ah ben merci. Du travail ? Oui, mon mari me cause de ses soucis. Que vous arrive-t-il ? Ce vieil imbécile s'est déniché une succube. Quoi ? Il croit que je l'entends pas forniquer la nuit. Et je dois vous débarrasser de la succube. Maman m'avait appris un vieux remède de grand-mère. Il me faut 9 poignées de poussière de lumière extraites des cheveux des spectres de midi qui dansent dans les champs. Et mon salaire ? Ce manuel d'herboriste avec la liste de toutes les plantes du coin. Rapportez-moi de la poussière pour chasser cette succube et il est à vous. J'accepte. Très bien. Je me demande si je pourrais... Je dois couver quelque chose. Ah bah, pendant qu'il fait jour, on va pouvoir... Du coup, il va me falloir accepter la présence de ces spectres de midi si je vais les attaquer. Et il va falloir que je fasse un bon parcours jusqu'au champ. Et qu'est-ce que... Vous, monsieur, par ici, je vous prie. C'est à quel sujet ? J'ai entendu votre conversation avec ma femme. Et j'ai une offre à vous faire. Vous n'avez pas l'intention de vous séparer de votre adorable démon. Ma femme accorde trop d'importance à d'innocents batifolages. Vous êtes un homme, vous me comprenez, non ? Que me proposez-vous ? Un vulgaire charme suffira à endormir la succube pour un moment. Ma femme se calmera, après quoi je pourrai gentiment réveiller ma succube. Que vous faut-il ? 9 poignées de poussière d'ombre de dévoreurs. Ils sortent dans les champs la nuit et sont très dangereux. Que me proposez-vous en échange ? J'ai du météorite rouge qui peut améliorer votre glaive. Ou, si vous préférez l'or, disons... 500 orins ? D'accord. Pas un mot à ma femme. Vous avez demandé de l'aide. De quoi s'agit-il ? Apportez-moi 9 poignées... Adieu. D'accord. 9 dévoreurs et la nuit. Il va falloir attendre que la nuit arrive. Il y a toujours du travail pour un tueur de monstres. Vous êtes différent. On voit que vous avez parcouru le monde. Enfin. Alors. Oui ? Je compte offrir. Ça tombe bien, j'en ai un sur moi. C'est gentil de proposer votre aide. Oui ? J'ai besoin d'un châle et de rien d'autre. Mais je t'en ai donné un, enfin. Si nous déversions du poison de magicien dans le lac, ce serait la fin de nos ennuis. Ça servait à rien, en fait.
Ah bah tu t'en vas. Bon, il est temps de dormir un peu pour que le soir arrive. Ça fait du bien de tomber sur un dévoreur de temps à autre. Allez. Qui ose me déranger? Gérald de Rive lui-même. Tu es célèbre au royaume des morts. Que veux-tu, fantôme? Un peu de chaleur, de compréhension. Ne pleurniche pas, je plaisante. Je hante cet endroit. Qu'est-ce qui t'empêche de partir? La seule chose capable de vaincre la mort. Comment ça? Il s'agit de l'amour des dés. Et un simple jeu vaut la peine de revenir. C'est une passion, pas un jeu. Je sais, j'ai gagné et perdu des fortunes au poker. J'y ai perdu la vie sur un gros coup de malchance. Une partie? Avec plaisir. Je lance pour toi. Je peux me débrouiller. Va-t'en. Pas tout de suite, hein. On va se calmer. Mais maintenant, on sait où trouver un autre joueur. Ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut. Il n'y a plus qu'à retourner voir le forgeron. Ah, voilà les noyers que je cherchais. Et voilà. Bon, au passage, on va aller passer par le village pour terminer la tentation. Et en plus, il y a des dévoreurs à côté. Non mais que demander de plus? Allez. Bon, cependant, avant d'aller par le forgeron, d'après la quête, il semblerait que la proposition de la femme soit encore valable. En fait, on a le choix entre les deux. Des mères, époux et mari qui vivent dans des lits séparés. Même pas superposés, génial. Alors, la femme ou le forgeron va aider? Apparemment, on verra jamais la succube, même si on faisait avec la femme parce qu'il aurait fallu affronter les spectres. Donc, allez hop. Oui? Rente solidarité entre hommes. J'ai de la poussière d'ombre pour vous. Merci. Quelle récompense choisissez-vous? Ouais. Du météorite rouge. Je vous comprends. Prenez. Adieu. Et voilà le travail. L'inventaire est plein. Et bon, on va régler ça. Et voilà le travail. Bon, maintenant, il faut régler ce problème de cette histoire de colis de naïade. Bon. D'après la naïade, il faut aller sur l'île de l'Hirondelle Noire en passant par un bateau pour pouvoir retrouver le dernier groupe de noyeurs. Et le bateau en question, il est là. Donc, est-ce qu'on peut le prendre? Jusque là, oui, on peut le prendre. Donc, direction l'île de l'Hirondelle Noire. Et j'ai aucune idée de ce qu'est cet endroit. Alors sympa l'endroit. On commence déjà par un feu de camp, c'est bien. Et voilà les noyeurs. Voilà.
Ah, Zéphyr, c'est lui. Ok, il est plus curieux que les autres. Pour autant, il ne survivra pas. La chèle en soi. Ah, c'est peut-être ce chat qu'il faut donner. Turquoise. Ça, on en a assez. Et là, retourner en arrière et reprendre. Pour prendre le bateau, c'est ça. Allons-y. Et voilà, ma belle. Discutons un peu. J'ai votre collier. Magnifique. En guise de récompense, je vous donnerai un livre sur les Vaudianoï, une rune de la terre où je soignerai vos éventuelles blessures. La rune de la terre éternelle, mais je crois que le livre sur les Vaudianoï, je l'ai déjà eu. Et guérison comme ça... Non, je crois que la rune de la terre, peut-être. J'aimerais la rune de terre. La rune de la terre. Un présent digne d'un vrai guerrier. Merci. Prenez cet objet en souvenir. Cette amulette vous protégera des noyeurs. Ah ben non, j'ai envie d'affronter des noyeurs, moi. Bon, mais reste plus qu'à utiliser ce chat en soi sur la femme en question. Alors, j'ai décidé d'aller voir ce personnage parce qu'à côté, j'ai remarqué qu'il y avait le sanctuaire des Farfadets. Et je ne sais absolument pas ce que c'est, et je crois qu'eux vont peut-être me renseigner. Salutations, vous n'irez pas plus loin. Le pont est détruit. Ça n'a pas l'air infranchissable. Par là, ce n'est que forêt et prairie à perte de vue. Merci de m'avertir. Vous n'auriez pas besoin d'un sorceleur. Vous êtes sorceleur? Oui. Monsieur? Combien de temps vont durer les réparations? Environ un mois, si les Farfadets nous laissent en paix. Un mois? Pour quelques malheureuses fissures? Pas seulement, je compte l'élargir. Les fantômes de la rivière auront le plus beau pont de Téméria. Vous avez du travail pour un sorceleur? L'œuvre de ma vie oscille au-dessus de l'abîme de l'oubli. Vous seul pouvez m'aider. Comment? J'ai fait un rêve. Les fantômes de la rivière m'ont appelé à la rescousse. Moi, un humble serviteur de la Dame du Lac. La chance de ma vie de prouver toute ma dévotion. Bien sûr. Le vieux pont sur lequel je m'affairais est tombé en ruine. Mais les fantômes m'y sont très attachés. Ils veulent que je le remette en état. Comment puis-je vous aider? Ce que mon fils et moi bâtissons le jour est détruit la nuit. Je parie que c'est un mauvais tour des Farfadets. Mes services ont un prix. Préféreriez-vous 400 orins ou un livre sur les spectres et le roi de la chasse sauvage? Où mon fils peut vous prêter main forte si vous entreprenez un périple périlleux. C'est un archer hors pair. Faisons affaire. Allez voir la vieille femme au village. Attention, c'est une sorcière. Mais elle sait peut-être comment chasser les Farfadets. Entendu. Tu veux parler d'Abigail? Ah, c'est génial. Allons-y. Abigail, c'est nous. Enfin, c'est moi. Tu peux nous aider? T'es là. Que veux-tu? C'est Arne le maçon qui m'envoie. Ce bon à rien! Il a obturé ma cheminée et depuis, soit on se gèle, soit on n'y voit pas un mètre dans cette maison. Je parie que les travaux du pont n'avancent pas. Exactement. Et qu'attend-il d'un sorceleur et d'une sorcière? La nuit, des Farfadets détruisent le pont et le jour, Arne le répare. Les Farfadets sont turbulents. Il a dû vouloir se venger et ils l'auront pris en grippe. Une idée sur la façon de les réconcilier? En retrouvant leur trésor. Un trésor? Une autre tribu de Farfadets vit dans la crypte au milieu des champs. De la mauvaise graine. Ils ont volé le trésor de nos Farfadets. Un harnais de chat. Un harnais de chat? Les humains montent bien à cheval. Eh bien, les Farfadets montent à chat. Va à la crypte reprendre leur harnais et rapporte-le-moi. Où est le harnais? Dans leur chapelle, qui ressemble à une statuette miniature,
comme celles qu'on trouve au carrefour. Comment savez-vous tout cela? Je pourrais prétendre l'avoir lu dans des entrailles de poulet, mais la vérité est plus triviale. Un farfadet est tombé amoureux de moi. Il me raconte ce qui se passe dans les environs. Vous plaisantez? En tout cas, merci. Ravi de l'apprendre. Bon, eh bien, je retrouve dans la... quand je serai à la crypte dans les champs, je vous le dis. Une porte qui mène dans la crypte des champs. À mon avis, on va avoir pas mal d'ennuis en chemin. À briser. Comme d'habitude, je suis pas assez prêt. Mâchoire de déchaîneur. Je crois qu'on doit en avoir besoin. Trouver les farfadets. Qu'est-ce que c'est ça? Et voilà. Bon, bah, y a plus qu'à fouiller, à prendre l'objet et à partir. Miguel, ça y est, j'ai le harnais de chat. Que veux-tu? Ah. Où est la crypte des farfadets? Son entrée est dans les champs. Une fois à l'intérieur, cherche une... J'essaierai. D'accord, ça c'est fait, j'aurais dû lui demander avant en fait. Même si ça sert plus à rien. Que veux-tu? J'ai le trésor des farfadets. Alors rapporte le harnais à la chapelle de nos farfadets. C'est une petite statuette rouge tout près du pont. Repasse-y le lendemain pour voir si les farfadets ont accepté cette offrande. Comment le saurais-je? À sa place, ils déposeront à ton intention un cadeau de valeur, symbolisant l'amitié ou la joie. Si Arne garde ce cadeau sur lui, ils le laisseront en paix. À plus tard. Super. Bon allez, c'est parti. Ah, le sanctuaire des farfadets là. Allez, on va déposer le harnais et ce sera bon. Il faudra attendre demain. Une petite chapelle dédiée à une divinité. Qui vient ici? Ton avis. Ah oui, au fait, au passage, j'ai trouvé une étrange créature, un vieux décharneur que j'ai tué dans la crypte du Farfadet. Du coup, ça me fera un monstre en plus. Franchement... Je me sens attiré par vous, et j'aimerais mieux vous connaître. C'est... gentil. Mais... je ne suis pas une fille facile, et un honnête homme doit faire la cour à une dame, non? Bien sûr. Maintenant que nous nous connaissons mieux, prenez l'initiative de m'apporter quelque chose de tendre. D'accord. De tendre. Ça... ça, peut-être. Une poupée en sucre, aussi tendre que moi. Tout ce dont j'avais envie. Nous pourrions devenir plus intimes. Oula. Venez chez moi, que je vous remercie dignement. Allons-y. J'aurais pas perdu ma journée. Bon. Je crois qu'après ça, on ira se coucher. On ira voir les farfadets. Et après...
on pourra terminer cette mission et arrêter la vidéo là, d'accord? Alors, voyons voir ça. Toujours pas prêt. Ils sont bizarres ces farfadets. Ah si si si, en fait je l'ai. On a trèfle à quatre feuilles, donc il faut maintenant aller la porter à Arne. Et ensuite on arrêtera la vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne pour voir la suite. N'oubliez pas la cloche au fait. Au revoir et à la prochaine. Monsieur? Qu'est-ce qui vous fait accuser les farfadets? J'ai vu de mes yeux des farfadets musardés autour de la statue divine près du pont. Ils considèrent que le pont est sur leur territoire. Et si vous leur parliez? Même si je faisais fi des démons nocturnes, ça ne servirait à rien. Les farfadets ne parlent pas aux humains. Monsieur, j'ai passé un accord avec les farfadets. Vous m'impressionnez. Ils ne vous importuneront plus tant que vous porterez ce trèfle à quatre feuilles. Je pourrais sans doute achever le pont avant les premières neiges. Alors, pour votre récompense... Je préfère de l'or. 400 orins, comme promis. Merci. Pas besoin d'un archer quand on est sorceleur. Allez, ciao !